possible. Côté que nous continuons de travail, pour nous mettre la stabilité, la sécurité, pour nous permettre que la population vague à occupation. Et si la population demande, c'est le désir du président de la République, c'est le vœu aussi du ministre,
Donc nous avons ce travail là fait. Et nous avons continué à faire. Donc moi je dis que nous avons des frontières en bas ça. Probablement quand on a plusieurs reprises, nous faisons des bois ici, parce que nous avons une zone stratégique et tout. Et quand plus de kidnapping nous fait là, c'est là où on va passer. Si bien que un mois de cela, dès que ce kidnapping est fait là, et une raison qui fait que nous toujours mettons un regard, même si on a fait, on est allé au regard, nous faisons plusieurs d'autres endroits, mais l'année là, nous tous font un stop, nous font un camper. Parce que je suis certain que, quand tu as fait l'école en haut, il y a tout en bas là, cette zone là qui manque d'éclairage, en quelque sorte. Donc nous obligés de faire un camper là, et nous clair, on a fait tout pour net. Noir, comme là, dans la coupe d'un a fouillé. Ou même machine service d'État, nous fouillé tout. Ça veut dire que nous n'avons pas de monde, nous allons fouiller. Comme moi, je dis, moi, de tout le monde qui a des amis légaux qui étaient là, parce que depuis que nous venons avant, nous n'avons pas de tout. Nous n'avons pas de contrôle. Nous n'avons pas de tout. Et je crois que si l'espèce est déterminée, pour mettre la paix en deux pays. Nous déterminer aussi. Vous avez dit que vous avez la caillou, pourquoi ça ne pas dit pour remettre ZAM? Remettre ZAM dépend de CNDDR. Nous-mêmes, nous avons le devoir pour accompagner CNDDR. L'un des pour quitter ZAM dans la caillou. Nous ne pouvons pas parler de bandits, non. Nous avons parlé de monde qui comprend que permis pour d'amour fini. Et de eux, on a parlé là. Permis pour d'amour fini, elle fait permis pour d'amour. De vous quitter la carte, de vous ouvrir la avec. Je prends le nom. Et aussi, il y a même arrestation. Pendant que nous avons divers cas, la police des vieux dans le sud-est, dans Port-au-Prince, est-ce que c'est tout le cas de travail malgré nous? C'est tout le même travail là. La police a un nouveau directeur en tête, c'est Léon Charles, qui est déterminé pour faire le travail là tout, même bien avec nous. Et moins de population pour comprendre ça. La bataille n'a pas mené, la bataille facile que lié. Son bataille qui m'a plus de courage, plus de conviction. Nous connaissons des gens qui disent bon, pour que ça le ministre en dehors, oui, ministre en dehors. C'est le ministre de l'Intérieur. Sécurité intérieure, pays, c'est contre moi lié. Donc, je suis obligé. C'est ça que les gens disent ça, il n'est pas habitué ça. C'est le ministre de l'Intérieur. Plus bio, plus bureaucrate que tu connais. Même si on est même du monde, il y a même fait les deux. Parce que la population fait appel avec nous. Ils ont été annoyés. On continue à accompagner la population comme le sang. Ok, l'autre sujet, monsieur. Nous connaissons, en tant que ministre intérieur, le président a parlé de réforme de la constitution et puis organisation de la prochaine compétition électorale avant l'élection. Parce que vous avez gagné l'autre constitution, nous connaissons un pile débat, un pile société à grand pile parler de nous, en tant que ministre intérieur, comment vous avez bon, grand pile débat que fait sur lui. Mon nouvelle constitution, et vraiment clair à voir que grand peu de monde qui est victime de la constitution, ça. Cette constitution, dès son origine même, de sa création, il était quand on fait l'exclusivité, il a exclu aussi de monde, avec l'article 291, il a dit que Marcou pas la donne, et nous, ça le fait contre le pays. Donc, le pays a besoin d'une constitution inclusive, côté tout pour la donne. Ils ont un véritable projet de société pour le pays. C'est dans cet ordre d'idée que je crois que le président, c'est dans ce sens-là, il parlait de nouvelle constitution. Parce que c'est une nouvelle constitution qui traduit la réalité haïtienne. Parce que la constitution a tellement de choses à la donne. Et que nous ne sommes pas arrivés à faire. En deux constitutions, ça. Mais cependant, qui bloque le domaine individuel, ils ont nécessité pour qu'il y ait de ce pays une nouvelle constitution. Et on croit que. Pensez comité consultatif d'abord dans le Chita avec tout le secteur. Bon, ça a job lui. Job par ici, Chita avec en plus secteur, prend proposition comme eux, pour être capable d'arriver à coucher une constitution comme Mandou, qui traduit réellement la réalité haïtienne. Sans le Parlement haïtien. Sans le Parlement haïtien. Bon, la constitution, quand même, c'est pas que le Parlement haïtien a donné, avant le fait là. Il faut pas le comme ça. Inévitablement, les parlementaires qui sont là, les sénateurs qui sont là, ils sont supposés faire partie de ça qui va le faire là tout. Et monsieur est certain que
il a voué le bail autour. Vous comprenez? Il a regardé, il a un regard sur lui, un regard critique sur lui. Mais la Constitution, c'est d'abord l'affaire de tous les Haïtiens. Ce n'est pas l'affaire seulement des parlementaires. Ok? C'est l'affaire de tous les Haïtiens. Ou même, vous concernez par la Constitution. Pour gagner l'élection, vous avez parlé de une nouvelle Constitution. Vous pensez une nouvelle Constitution va le permettre pendant 2021 l'élection organisée? Je ne sais pas le bon bagaille. Nous avons avantage. Donc, tout le monde qui écrit sur la Constitution déjà, il y a un ancien député de Tardieu. Donc, tout le monde qui pense déjà sur la Constitution, avec qui nous prenons tout, nous faisons analyse de eux, une analyse critique de eux, nous prenons ça que bon. Et puis, le comité consultatif là, il continue de consulter les gens, il continue de consulter différents secteurs de la vie nationale, de manière à ce qu'on arrive à une véritable constitution qu'on a besoin de pays. Parce que là, pour l'élection, il faut être clair là-dessus. C'est ça qu'il y a une bataille là. Il faut mettre la paix dans le pays. Là. Parce que nous voulons que pour renouveler le personnel politique, il faut qu'il y ait une élection faite. Et je suis sûr et certain, son élection qui a faite de manière démocratique, libre, honnête et transparente. Il y a un groupe de société à Goudi, mandat président de la République 2021. Vous pouvez après l'élection avec le groupe SAC de la société à. Regarde bien. Monsieur, c'est une contestation qui fait des cas et tout. Et quand groupe qui dit que le mandat fin 2021, moi je dis, par contre, arithmétique, 2017-2021, il y a 4 ans en fait. 2017, c'est plus 5 qui va le 2022. Par contre, si le mandat privé là, il y a un qui met le président, comme c'est le président qui fait le mandat privé là, par contre. Parce que le mandat privé là, c'est privé qui fait. Mandat président commencé le 7 février 2017, l'a fini le 7 février 2022. Mmh. Ça, c'est sûr. Nous pourrons après que vous l'élection. Dernier par exemple, l'élection a été faite pendant 2021 avec le président Joël. Combien de temps vous prenez pour faire l'élection dans le pays? C'est mettre des conditions pour que nous sommes capables d'aller à l'élection. Confiance que vous faites. Et puis que les partis politiques, pour eux-mêmes, pour participer à l'élection. Parce que. Élection n'a pas aucun effet sur la participation des partis politiques. Donc, puisque son pays connaît que le parti politique a pilulé, en quelque sorte, dans pile parti politique, donc, inévitablement, le parti qui voulait aller, c'est quoi aller, il y a pas de la caillou, comme d'habitude. Mais là, on parle d'élection, on parle d'élection collectivité territoriale, élection législative et élection présidentielle. Inévitablement, tout simplement, pour qu'on arrive en côté, on fait deux élections. Les élections législatives, d'une part, et les élections collectivité territoriale et la présidence, ça va dépendre d'eux. Et KIPEC là, comment on va le travail, il ne faut pas marcher à pas de tortue, il faut marcher à grand pas. Pour ça arriver fait. Mais il faut qu'il y ait une élection dans le pays. Mais pour l'élection, il faut une nouvelle constitution ou bien et tous les deux, une nouvelle constitution et bien élection. Ou qu'on fait les deux à la fois. On fait une nouvelle constitution, même on fait élection. Il dit qu'il faut qu'on fasse une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution, quel type d'élection on fait? Vous d'accord avec? Eh bien, là, ça, est-ce qu'ils sont élections faites avec, même genre avec presque tout le pays d'Amérique, qui dit que faut qu'on président, un président et un vice-président, ou là? Donc, nous avons ça. On a tout. Ça veut dire, nous croyons qu'au niveau gouvernement, c'est sous égide, nouvelle constitution que n'a pas l'air. Ce serait l'idéal. Nouvelle élection pour l'organiser. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Est-ce qu'on va prendre politique avant des élections, une nouvelle constitution? Bon, ça va dépendre du président de la République. Le président lancé, il a ouvert ses bras à plusieurs reprises pour qu'il y ait un accord politique. Mais bon, on connaît un accord politique. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont d'accord. Il y a des gens qui croient que c'est la transition seulement que le Carabalé est capable de pouvoir. Il y a des gens qui disent non. Ils me croient que le capable de pouvoir par les élections. Mais maintenant qu'ils connaissent le capable de pouvoir par les élections, qui ont trouvé ces points, il y a l'élection correctement. Merci. Ça va à l'accord. Okay.